Bah, on est là aujourd'hui avec le nouveau parti anticapitaliste à participer à cette manifestation pour nous qui a un sens très particulier, qui est cette marche des solidarités qui a débuté il y a plusieurs semaines et qui a été organisée un petit peu partout en France par des collectifs de sans-papiers, mais aussi par leur soutien syndicaux, associatifs, politiques. Et cette convergence là, on la voit aujourd'hui, cette alliance, elle est visible dans le cadre de cette manifestation. Honnêtement, il y a beaucoup de monde malgré le contexte qu'on connaît. Et c'est extrêmement important de rappeler une nouvelle fois l'égalité des droits entre Français immigrés, la nécessité d'obtenir une régularisation de tous les sans-papiers et pas simplement au cas par cas. Et on voit à quel point d'ailleurs aujourd'hui les frontières protègent de rien et surtout pas du racisme. De pointer aussi du doigt la politique répressive par rapport au CRA, par rapport au fait aussi que les sans-papiers, avec ou sans travail, sont en général particulièrement touchés par la précarité et se retrouvent dans des situations notamment de vie et d'habitation particulièrement indécentes. Donc la question du logement aussi, elle ressort énormément. Donc pour nous, c'est un combat qui nous a toujours tenu à cœur. L'antiracisme, on l'a dans notre ADN. Et aujourd'hui, franchement, dans le contexte actuel, je pense que personne n'aurait parié sur une aussi grosse mobilisation. Et dans le cadre notamment du couvre-feu qui plombe quand même la situation sociale et politique, pour nous, c'est un enjeu qui va au-delà de la question des sans-papiers et qui nous interpelle tous et toutes pour dire que dans cette situation, il ne faut surtout pas rester spectateur des événements, parce qu'un des enjeux, c'est précisément de nous rendre témoins de la situation politique de manière générale, comme si on n'y pouvait rien. Bah, aujourd'hui, on démontre que ce n'est pas le cas. Donc la lutte continue.